Allô? Alors désolé, j'ai dû redémarrer, je sais pas pourquoi, mais mon écran ne voulait pas s'afficher sur le live. Dites-moi si cette fois c'est bon, normalement vous m'entendez. J'attends de voir. Alors, je vais attendre que vous puissiez revenir. J'espère que vous avez tous eu la notif du coup. Parce que des fois, YouTube fait des manières et du coup ne renvoie pas les notifs. Et désolé, hein, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mon écran voulait tout simplement pas s'afficher et vous ne m'entendiez pas. J'ai dû redémarrer OBS. Là, apparemment, ça marche, mais il faut le temps que vous reveniez du coup. Alors. Ah, c'est bon, il y a du monde qui revient. Et coucou à toi, Saria, tu étais là au dernier live, si je me trompe pas. Et Monsieur Biscuit, bien évidemment, mais c'est un modo, donc voilà, c'est normal. Mais merci à lui d'être là aussi. Et sinon, les amis, est-ce que ça concorde? Ceux du dernier live comprendront. Et bonjour au Knife. Dites-moi si le son est bon pour vous, si cette fois vous entendez la musique. Et voilà, si les sons sont bien. Et coucou Damon. Eh bien moi ça concorde plutôt bien aussi, Monsieur Biscuit. Dites-moi les gens si vous avez eu la notif YouTube ou pas pour ça, pour savoir si ça a quand même fonctionné. Je suis curieuse de savoir si cette fois ça marche. Et oui, donc sur l'écran là, vous pouvez voir ce qu'on avait fait la dernière fois. Enfin, une version de ce qu'on avait fait la dernière fois et qui sert aussi d'emote sur le serveur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous pouvez participer à pas mal de choses sur le Discord, notamment des events de dessin,
d'édits. Bref, comme là, il y en a un en cours en ce moment sur les personnages fantastiques. Tout est dans la description. Tous les liens sont dans la description. Si vous cherchez. Et justement, sur Discord, vous avez eu la chance de choisir quel serait le prochain logo. Et donc, à cette fois-ci, celui qui a été décidé, celui qui a gagné le sondage, c'est le logo de YouTube. Bon, j'en ai pris un, il est un peu pixelisé parce que je l'ai zoomé, mais c'est pas ça l'important. Pas de musique? Bah si, mais c'est pas possible. Bien, c'est parce qu'elle est très faible, mais. J'ai monté un peu le son de la musique, du coup, voir si ça marche. Mais d'après Saria, c'est bon. Je verrai l'avis des autres personnes, mais. Bref, bon, du coup, on va commencer ça, hein? Ah, attendez. Yop! Et juste un petit truc. Voilà. Bah, en fait, c'est juste que la musique était pas très forte. À mon avis, c'est plus pour ça. Pourtant, j'ai pas changé par rapport à la dernière fois et vous l'aviez entendu. Donc, encore une fois, étrange, mais bon. Du coup, on va attaquer le logo YouTube. N'est-ce pas? Hop, comme on fait d'habitude, enfin comme j'ai fait l'autre fois plutôt, avec vous en dessin, en live, je prends le contour. Faut pas m'embêter à essayer de reproduire tout ça. Oh, ça fait mal aux yeux ce rouge. Comme ça, ah, ça va faire moins mal aux yeux. Bah tu vois, j'avais dit cette fois on l'entend, mais cette fois l'étoile est trop forte. Voilà. Oh, faut savoir, hein. J'ai rebaissé encore, mais pourtant je change de presque pas. Donc, vous me dites. Vous me dites là si c'est bon. C'est bon, ok. Alors, sinon, comment ça s'est passé votre semaine, vous? Attaque le dernier mois avant les vacances pour la plupart d'entre vous, je suppose. Et je ne sais pas si dans le chat il y en a qui bossent, qui ne sont plus en études ou autre, mais. Hop! C'est un brouillon, hein. Là c'est normal que ce soit dégueu. Hein. Et pas précis et tout ce que vous voulez. Hein. C'est juste histoire d'avoir un contour et d'avoir. Une forme plutôt similaire. Hop là. Hop. Moi, je dois vous avouer que j'avais hâte de vous retrouver une nouvelle fois en live. J'avais vraiment hâte. Je me retenais de ne pas vouloir lancer un live à l'improviste n'importe quel jour. Toc, voilà. On n'a plus, on n'a pas le rouge pimpant qui nous pète les yeux. Alors, hop. Normalement, la qualité du live est bien. Vous me dites si vous avez des lags ou autre. Plein de cours annulés.
Comment ça se fait? Et moi, bah, ma semaine tranquille, bosser quoi. Et là, samedi tranquille, j'en fais un petit live. Ça fait du bien de se retrouver avec vous, de parler, répondre à vos questions si jamais vous en avez, on ne sait jamais. Alors, bon là on va prendre... j'ai bien envie qu'il soit pas si hyper droit celui-là. On va faire premier lieu. Vous allez comprendre ce que je veux dire parce que là je parle pour moi mais vous ne devez pas comprendre. Non, faut pas faire ça. Niveau qualité, c'est bon. Pour toi, ça bug un peu. Pour Mumi Yameko, c'est peut-être dû à Taco, ça j'en sais rien. Moi, mon rendu m'a l'air pas mal. Taco ou ton PC, téléphone, le support que tu utilises, on va dire. J'avais plein de cours annulés car mon prof d'histoire n'était pas là de la semaine. T'as beaucoup de cours d'histoire, toi? Et, enfin, ça dépend les filières et tout ça, mais... Hop, voilà. Mais en gros, ce que j'aimerais faire, là, c'est juste... En fait, si vous voulez, j'aimerais que ça dépasse un peu comme ça. Histoire que ce soit un petit peu bombé. On va dire ça de cette manière. Est-ce que... Ça va me faire encore un truc bizarre, c'est ça? Oh, non. Ouais, quel type de bug, c'est vrai, j'ai pas pensé. C'est genre t'as des lags, la page qui charge, des bugs de son ou autre. Pour savoir. Pour voir si peut-être d'autres personnes vont dire dans le chat qu'elles ont le même souci. Alors pourquoi là ça m'a pas fait la correction du trait? Ben alors. Je n'arrive plus. Ça va faire comme la dernière fois, je vais me bagarrer avec mon trait, c'est ça? Non, c'est bon. Voilà. Je verrai comment... Si je garde l'autre qui est en dessous après. Ouais. Hop. Et maintenant, le contour. Et du coup, pour la prochaine fois, au prochain live, ce sera aussi un logo. Je pense qu'à la fin du live, je vous demanderai votre avis. Et je mettrai un sondage sur Discord. Je vous invite à le rejoindre du coup, pour participer. Et comme ça, pendant le live, je ferai ce que vous voulez. Attendez. Vérifier quelque chose vite fait. C'est rien. C'est si tu pouvais nous dire du coup quel bug c'est, Ruby, s'il te plaît. Ça n'a pas bugué, rassurez-moi.
J'ai un problème avec les trous, ou je sais plus faire des traits corrects. Alors, dans quel sens faut que je la mette? Que j'y arrive. Et salut Clément. Clément, pardon, j'ai perdu ma voix. Toi, ça bug pas, ça rien? Ok, bon, ça me rassure. Merci. Mon avis, ça doit être peut-être la co de Ruby, du coup, et là, il est peut-être déco à cause de ça. Aucune idée. Moi, sur mon rendu, tout va bien. À part par rapport à ce trait qui n'est pas droit du tout. Moi, rager, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Et merci pour mettre les liens du Discord. Et si jamais vous ne le voyez pas dans le chat, sachez qu'il y a tous mes liens, que ce soit mes réseaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter, ou le Discord aussi, le Discord de la chaîne. Vous pouvez retrouver toute la communauté dessus. Bon, bien sûr, du coup, c'est une communauté franco-anglaise. Ma chaîne est franco-anglaise. Mais aussi, du coup, dans la description, vous pouvez retrouver mes liens afin de me soutenir, que ce soit via Streamlabs ou Ko-fi. Et au passage, si vous faites un don via Streamlabs, vous aurez un son magnifique sur le live. Je n'avais pas pensé de le dire la dernière fois, mais c'est vrai que j'ai fait ça. Je vous incite pas du tout à le faire, hein, c'est seulement si vous voulez m'aider et me soutenir. Et salut petit démon Gacha Club. C'est un long pseudo. Ce n'est pas une critique du pseudo, chacun son pseudo bien sûr. Trompé, ça bug un peu pour toi. Et c'est bizarre, la dernière fois on n'a rien eu. Est-ce que tu pourrais décrire quel type de bug tu as, Saria? Si ça bug beaucoup trop, je vous conseille d'actualiser la page aussi, peut-être. Si ça vient de votre pro ou de votre YouTube. Parce que ça me paraît étrange qu'il y ait quand même, il y a pas mal de gens qui me disent que ça va quand même. Ma voix qui bug. Dis-moi, ça bug pas. Ma voix qui bug. Ça viendrait de mon casque. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu ma voix bugger? Ça viendrait de mon micro, je vais dire, pas mon. C'est étrange. T'aimes beaucoup la musique de fond? Bah moi aussi. J'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé une petite playlist de musique. Ouais, comme dit Monsieur Biscuit, essaye d'actualiser la page. Peut-être que
Ça pourrait régler le souci. Vous me dites les autres si vous aussi vous entendez ma voix buggée. Après, des fois, c'est juste moi qui cherche mes mots, hein. Et je ne pense pas que ce soit ce genre de bug. Toi, tu parles? Toi, Clément, la voix bug un peu des fois. C'est vraiment bizarre, ça. Enfin. Tu dessines trop bien. Bah, merci. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus extravagant. On a juste fait un contour de logo YouTube. Hop. Les démons n'ont pas de bug. Étrange ça. Mais je pense que ça doit être dû à votre connexion ou l'appareil avec lequel vous regardez parce que ça ne m'a pas l'air vraiment buggé. Alors attendez, je vais prendre la couleur. Hop là. Ici il n'y a rien, oui c'est ça. C'est bon, Saria? C'est revenu? Merde. J'ai fait. Bon, je sais plus. Bref, c'est pas grave. J'ai appuyé sur quelque chose sans faire exprès et. Alors attends, on va faire quelque chose parce que. Voilà, ça n'agresse plus les yeux. Bon, je vais juste faire le contour, hein. Je vais pas m'emmerder à tout combler comme ça, hein. Moi j'étais en train de préparer une vidéo pour mon abonné Ville. Ah. Je suis allée te voir. D'accord. Le meilleur. Oh. Comment je dois interpréter ce le meilleur? Enfin, merci beaucoup, hein, mais. Merci à tous ceux qui sont là. Du coup. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir que. Enfin, c'est seulement mon deuxième live et vous êtes toujours aussi nombreux à venir. Malgré ce faux démarrage, on va dire. Désolé, des fois quand je bouge, ça déconnecte quelques secondes de la tablette, du coup je dois attendre pour pouvoir continuer à dessiner. C'est pour ça que des fois vous voyez que ça ne bouge pas aussi. Hâte de voir le résultat. Bah moi aussi en vrai. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûre que je vais exactement faire comme ça. Je vais juste suivre mon instinct, mon intuition et si jamais quelqu'un propose quelque chose et ça me donne envie, je peux le faire aussi. D'ailleurs, dans pas si longtemps que ça, sur la chaîne, vous allez avoir un nouveau mème basé sur un de mes persos gacha, mais c'est pas du gacha dans le mème, on va dire ça. C'est entièrement du dessin. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui est en préparation. Un type de vidéo que je n'ai jamais fait pour l'instant. Ouais, je n'ai jamais encore tenté ça. À voir ce que ça va donner du coup. Et coucou carotte! Petit démon Gashanga, j'ai pas tout compris à ce que tu as dit. Désolé, mais j'ai pas tout suivi ce que tu as voulu me dire. Oh!
Merci pour ton abonnement. Ça fait plaisir. Première fois que je peux entendre cette alerte. Et bonjour Anna. Comment allez-vous? Comment vas-tu plutôt? Je dis allez-vous si jamais il y en a d'autres qui ont rejoint le live en même temps. Est-ce que vous avez bien eu le son de l'alerte aussi? Et salut Tiffany, je t'avais pas vu dans le chat, désolé. Bah du coup c'est toi qui t'es abonné si je dis pas de bêtises. D'accord. Ça m'a fait. J'ai voulu afficher pour moi sur mon logiciel les subs et ça a remis un ancien sub. Tu dois quitter, petit démon. Bah merci d'être passé du coup. Et merci beaucoup. Si jamais plus tard t'es dispo, le live continue jusqu'à 18h. Et un peu plus longtemps, parce qu'encore une fois, avec les bugs, bah, j'ai perdu quelques minutes. Alors que cette fois, il avait commencé bien à l'avance, mais mon écran ne voulait pas se mettre. Et merci Anna pour ton abonnement, du coup. Donc ça, c'est le bruit pour le bruit basique des abonnements. Mais si jamais l'un d'entre vous fait un petit don via le lien Streamlabs, qui se trouve dans la description. Il y aura un son un peu plus spécial. Ceux qui ont regardé les récentes vidéos, on va dire, connaîtront ce son-là. Et je dessine quoi, Anna? Bah, en fait, comme la dernière fois, on a fait le logo Discord. Et là, cette fois, on fait le logo YouTube. Du coup, à ma manière. Attendez, il faut que je fasse plutôt enregistrer sous. Non, ça me l'a mis comme ça. Ok, non, c'est bon. Ouais, comme la dernière fois, on avait fait le logo Discord et moi j'avais fait de mon côté le logo Insta. Merde, mince, je ne voulais pas l'ouvrir. Bon, c'est pas grave, comme ça vous l'avez vu vite fait. Pardon. Je vérifie des trucs, du coup j'étais concentrée. Et du coup, pour l'instant, dans les lives, on va faire ces logos, comme j'ai pu déjà le dire. Ces logos un petit peu revisités. Qui maintenant, du coup, servent aussi d'emote sur le serveur, si jamais vous voulez vous amuser. Pas de soucis, Sandrose. Et t'as changé ton pseudo du coup? Je suis perdue. Et Tiffany, t'aimes les animés? Ouais, j'aime beaucoup les animés. En ce moment, j'en regarde pas beaucoup. Ouais, j'en regarde pas beaucoup en ce moment, mais. Disons que ce sont les animés qui m'ont motivé. À dessiner les premières choses que j'ai. Enfin, j'ai toujours dessiné depuis que je suis. Depuis que je suis toute petite. J'ai toujours tenu un crayon dans ma main dès que j'avais un temps libre, on va dire. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai voulu créer mes propres persos, tout ça. Puis plus tard, créer mon propre style de personnage qui sont un peu en mode chibi. Même si c'est toujours en construction, hein, je suis loin de faire la perfection, en fait. J'ai regardé My Hero Academia pas toutes les saisons. J'ai pas encore pris le temps de tout voir. Un animal de compagnie, oui.
J'ai un chien, une belle petite chienne que j'adore. Je suis complètement gaga. Je pense pour beaucoup de monde c'est le cas. Et aussi bon un poulailler, des canards et tout ça, mais bon c'est pas. Et merci Lumine et Fer, j'espère que je prononce bien, pour ton abonnement. Ça marche pas sur ton ordi, Lipix. Qu'est-ce que. Le live ne marche pas pour ton ordi. Étrange. Est-ce que je connais Sora? Oui, je connais très bien. J'avais même pensé à un moment par rapport à. Enfin. À leur vidéo réaction gacha de faire un gacha, mais je préférais faire avec mes propres persos. On va dire ça. Et créer mes propres histoires et tout ça plutôt que prendre des persos, des personnes déjà existantes, etc. Et oui, il faut éviter de mettre tout en majuscule, mais c'est pas grave, hein, t'as pas fait. Si c'est juste une fois comme ça, on va pas te taper sur les doigts, ne t'inquiète pas. C'est juste essayer que ce soit quand même assez beau visuellement, regarder ce chat, que ça ne fasse pas trop full, trop plein. Parce que je suis un peu maniaque sur les bords, on va pas le dire ça. Non, ça faut le garder. Que j'aime les pommes, bah oui, les pommes. Quand j'étais petite, d'un moment j'ai été accro au jus de pommes. Sauf qu'au bout d'un moment, ça m'en avait dégoûté. Maintenant, ça va, pas trop, mais j'aime bien. Et Dooms, oui aussi. Comme Sora, je regarde toutes ses vidéos. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est une sorte de mini FAQ ce live. Pas que ça me dérange. Ça fait de l'animation. Et comme ça, vous pouvez en apprendre plus. Pendant que je fais ce logo. Et lui, là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là pendant le dernier live, mais en gros, sur mon application, qui est Sketchbook, c'est une application gratuite. Donc, vous pouvez vous l'approprier si vous voulez. Mais sur ordi, c'est un peu galère. Vaut mieux l'avoir sur tablette. En gros, vous voyez, quand je fais faire un remplissage, le souci, c'est qu'à chaque fois, j'ai une partie qui n'est pas prise en compte. Donc c'est ça que j'étais en train de combler juste avant. Hop. Même si ça se voit pas forcément, on se soucie du détail. Dessiner sur digital ou papier, bah ça dépend. Des dessins comme ça, je m'amuse plus sur digital. Et en ce moment, je suis beaucoup plus sur digital que papier. Vu qu'avec les cours dans mon école d'art, bah, c'était papier, bah, je préférais à ma maison m'amuser avec autre chose, quoi. Mais après, pour ce qui est, pour ce qui concerne des, par exemple, des portraits, j'aime bien faire des portraits de personnes auxquelles je tiens ou autre, ou quand on me demande, au crayon, juste noir et blanc, ça, je préfère largement du coup sur papier. Enfin, je m'amuse plus à le faire sur papier. Donc, du coup, là, je vais m'amuser à faire un petit dégradé. C'est pas la couleur, là, c'est normal. Hop. On va le mettre comme ça. Désolée si des fois je mets un peu de temps à répondre quand je suis concentrée sur un dessin. Et bonjour Thibaut. Enfin, je dis Thibaut parce que c'est Thib. Serpentard, je ne sais pas le prononcer en anglais, du coup je vais dire Serpentard, désolé. Et c'est Marie, et d'ailleurs Marie, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Marie Frozen Crystal, pour ceux qui ne savent pas. Alors, connecte-toi tablette. Merci beaucoup. Voilà. On rajoutera d'autres trucs après par-dessus, ne vous inquiétez pas. C'est juste histoire déjà d'avoir un petit. J'adore ce que tu fais, bah merci beaucoup, Lipix. Ça, hein, Lipix Gacha. Vous me dites si jamais je prononce mal. Salut, je suis nouveau et j'aime beaucoup tes vidéos. Voilà, sinon je ne peux pas rester plus. Bye. Bah merci pour ton passage, Lunimefer. Merci beaucoup. Et pour ton abonnement, parce que si je me trompe pas, c'est toi qui viens de t'abonner il y a.
pas longtemps du tout. Ça fait plaisir d'avoir votre soutien comme ça. Donc, on va faire le... Oh, j'ai une idée pour ce petit... pour ce petit bouton play. Pour confrère de Serpentard. Oui, c'est vrai. Vous êtes déjà confrère Serpentard sur Discord et maintenant sur là. N'hésitez vraiment pas à rejoindre. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Des gens sympathiques. Français anglais, donc si jamais vous voulez, je sais pas, vous exercer en anglais, il y a un salon pour parler exprès anglais, un salon général anglais. Sinon, les autres salons, c'est mélange. Je vous avoue que ma communauté anglaise qui est présente sur YouTube ne vient pas trop sur Discord. Mais peut-être qu'un jour ce sera le cas, qui sait, je ne sais pas. Et puisque là, actuellement, je ne vois personne parler en anglais ou autre. Je n'ai pas un très bon accent et je suis pas forcément la plus forte en anglais. Mais j'aime beaucoup cette langue et je suis en train de faire n'importe quoi. Il tourne dans tous les sens, ce pauvre logo. Il va avoir le tournis à la fin. Je vais faire les ongles juste après. J'avais une pointe trop fine. Trop fine, trop grosse, pardon. Hop, ça ne passait pas. Connecte ton casque, ok. Et donc maintenant ça a l'air... Ouh, m'a fait peur. Et merci pour ton abonnement. Thibaut Serpentard, c'est... Slytherin? Je sais pas comment ça se prononce exactement en anglais. Mais je me souviens de ton ancien pseudo. Donc... Parce qu'on avait participé, si je me trompe pas, du coup, à l'Overday, principalement le premier, où on avait pu discuter. Par rapport à nos créations. D'ailleurs, t'avais fait un très beau dessin toi aussi. Je crois qu'on avait fait plusieurs, mais moi je me souviens de celui avec Serpentard et Over sur un balai. Serpentard avec Poudlard, pardon. Oh là là, avec Poudlard en fond. I don't speak very English. Ça dit pas trop. Je peux dire juste simplement I don't really speak English. You can exercise that on the Discord server. Ouais, c'est ça. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai une voix un peu moins sereine quand il s'agit de parler comme ça. Mais bon, je n'ai pas forcément l'habitude. Alors là, je vais faire un truc. Hop. On va voir ce que ça peut donner. Le milieu, ce serait vers là, peut-être. Non, il y a un peu de... Ah il... J'avoue que c'est un peu dur de viser. Reconnecte-toi, tablette. Merci. Je sais pas, des fois ça me fait ce petit souci de déconnexion à cause des câbles qui bougent un peu. Vu que mon bureau pour filmer est pas forcément très stable, on va dire ça. Donc, bon, on va le faire aller jusque là. Oh. Je suis en train de créer une sorte de relief. Est-ce que je connais My Hero Academia? Oui, je connais. Ça fait un petit moment que j'ai regardé, j'ai pas tout vu. Et mon perso préféré... j'avoue que je sais pas vraiment. Je me suis jamais trop posé la question par rapport à cet animé. Non, je sais vraiment pas. En vrai, si, j'ai envie de dire... Par contre, tu vas me détester, mais je me souviens plus trop des prénoms des persos.
Mais la petite fille, c'est pas Erin? Non, je sais plus. Elle est trop chou. C'est ça. Ah, t'as connu ma chaîne grâce à Overspace? Bah, je pense que tu n'es pas la seule personne dans ce cas-là. Parce que, on va dire, bah, Overspace a quand même pas mal aidé. Par contre, va falloir que je recommence cette partie-là. Parce que sinon, ça ne va pas faire les dégradés comme je le souhaite. Disons que je dois beaucoup à Overspace. Que si j'étais pas apparu dans ces vidéos de l'Overday, bah disons que j'aurais pas eu d'un coup 600 abonnés, quoi. Enfin, d'un coup, quand je dis d'un coup, c'est que c'est monté extrêmement vite, quoi. De passer de 180 abonnés à 600, 656, ça fait beaucoup, quoi. Je connais tous les persos, bah dis donc. Et toi aussi, Saria, c'est grâce au Overspace. Merci à vous d'être quand même venu et de venir quand même sur mes lives là comme ça. Venir sur les lives d'une youtubeuse à peine 656 abonnés. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là à me soutenir pour ces lives, pour les autres vidéos. Et ceux qui me soutiennent sur Discord, etc., qui m'ont aidé à connaître d'autres personnes aussi. Je vous avoue que si j'avais pas eu toute cette motivation de la part d'Overspace, tout ça, je sais pas si je serais aussi présente que ça, on va dire. Faire face par face comme ça. C'est là. Tu t'es abonné il y a un mois? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. Vous êtes deux à monopoliser le chat, c'est grave. Bon, vous faites la discussion avec moi, c'est bien. Comme ça, je me souviendrai plus de vos pseudos. Lipix et Saria. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai dit ça sans regarder le chat. Je suis fière de moi. Je le prononce bien, au moins. Ça fait vivre le chat, c'est bien. Exactement, Damon. Exactement. Comme ça, vous me faites de la discussion, vous animez le live au final. Et je suis contente que les alarmes d'abonnement, tout ça, marchent correctement parce que, avec les bugs qu'on avait eu au propos de la musique la dernière fois, j'avais peur qu'il y ait un bug là aussi. Même si ça n'a aucun rapport, mais enfin, si c'est un rapport avec la musique. Enfin, le son, le bref, les effets sonores. Mange ton pain, Irène. C'est très... très bon animé aussi, l'attaque des titans. Un classique, on va dire. Tout le monde peut dire que c'est un bon animé.
Mais il faut dire que le premier opening est extrêmement marquant, hein. Ça a dû beaucoup jouer sur la popularité de cet animé. J'ai pas continué aussi, il manque pas mal d'épisodes à regarder. Là, ces derniers temps, j'en regarde pas beaucoup des animés, donc. Et sinon, donc la prochaine fois, je suis en train de me questionner. Est-ce qu'on continue en faisant un autre logo? Par exemple, ça pourrait être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Twitch, Wattpad, Twitter, Snapchat, par exemple. Je donne des exemples là comme ça au pif. Netflix aussi peut-être. Vu qu'on parle d'animé. Mais sinon, on pourrait faire aussi peut-être quelque chose plus dans le gacha. Soit par exemple, pour vous montrer comment je dessine un perso gacha de face. Ou je ne sais pas. Mikasa, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le thé ou le chocolat chaud ou aucun? Je dirais chocolat chaud. J'adore le sucré. Logo de Gacha. Ah, à voir. Après, c'est un logo un peu plus compliqué à faire parce que c'est pas un simple. Gacha Life ou Gacha Club? Logo Spotify aussi, ce serait possible, ouais. Il y en a plein qu'on pourrait faire ensemble. Je ne raterai aucun de tes lives, je promets. C'est pas grave pour les fautes, t'inquiète. Et merci beaucoup. Ah bah t'as supprimé. Après, ça fait vraiment très plaisir. Vous avez aucune obligation de venir, mais ça fait extrêmement plaisir que vous soyez là. J'aime beaucoup faire ces lives-là. Comme j'ai dit, je verrai peut-être plus tard pour en faire le samedi, mais aussi le mercredi, si vraiment ça me tente à fond. Le logo de Gacha Club avec mon OC. Oh, ça pourrait être quelque chose de marrant. Je pense que je préparerai un brouillon à l'avance parce que sinon je vais prendre trop de temps. Ouais, ça peut franchement être pas mal de faire ça. Pardon, j'avais pas vu. J'ai une chaîne. Je ne sais pas faire de live. Et comment dire? Je ne suis pas sûre qu'avec 45 abos, j'aurai beaucoup de vues. Bah, c'est sûr qu'au début, c'est super compliqué. Tu sais, je suis restée bloquée avec 80 abos pendant un long moment. Et à ce moment-là, je pensais pas du tout à faire de live. Mais si je peux te donner un conseil, si tu veux faire un live. Déjà, faudrait que tu aies un bon micro si. Parce que faire un live sans son. Enfin, personnellement, je ne trouve ça pas très attractif, on va dire. Et. Faut que tu aies genre l'application comme moi, Streamlabs OBS, qui sert pas mal. Tu vois, qui permet d'avoir un écran, en fait, si vous voulez. Sur mon écran, j'ai. Comment on peut appeler ça? Un cadre que j'ai personnalisé. Tu peux faire aussi, tu sais, pour empêcher qu'on voit tes autres options et pour un peu habiller. Habiller les 80? Ouais, mais c'est pas grand-chose. Enfin, tu vois, maintenant, je suis à plus de 600, c'est énorme pour moi. Et oui, comme le précise Monsieur Biscuit sous la vidéo, il y a tous les liens qu'il vous faut, que ce soit Discord, Twitter, Insta, ou pour me faire des dons pour me soutenir, avec les alertes qui se mettront pendant le live. Hop, du coup là on a toutes les faces. On va faire un. On va faire
piège. Celle-là, c'est celle-là. On va faire d'abord celle-là qui est le plus au niveau de la lumière. Tout reprendre en blanc pour faire moi-même. Si je fais comme ça. Hop, voilà. C'est du coup à faire plus foncé. Désolé, j'ai fait des petits bugs avec le truc. Voilà. Hop. Non, mince. Si je vais pas sur le bon calque, les calques qui sont sur le côté là-bas, ça ne va pas le faire. Pas du tout. Là, je fais encore plus. Juste comme ça. Voilà. Et des petits reflets métalliques de cette. Pas au chocolat, chocolatine. Pas au chocolatine. Eh bien, moi depuis toute petite, je ne peux pas participer à ce débat parce que je dis petit pain. Voilà. C'est. Je suis hors du débat parce que moi j'ai toujours dit petit pain. C'est. Est-ce que ça répond tout de même à ta question? Passe un petit peu. Alors, reconnecte-toi s'il te plaît, tablette. Je sais pas ce qu'elle a parce que la dernière fois elle l'a pas fait autant. Pourtant, je ne bouge presque pas, j'ai l'impression. Je peux faire des micro-mouvements qui dérangent un peu. Petit pas, oui, ça peut paraître étrange, mais depuis petite, c'est comme ça qu'on appelait quand je demandais à mes parents, je peux avoir un petit pain, s'il te plaît. C'était pas un pain au chocolat, chocolatine, tout ça. Pourtant, j'ai vécu dans des au début dans un endroit où ils disaient pain au chocolat et un autre endroit où ils disaient chocolatine, mais j'ai jamais dit l'un ni l'autre. Bon, une fois quand on a demandé un petit pain, ils m'ont donné un pain au lait, mais c'est pas grave. Disons qu'avec ça, moi, je sors du lot, on va dire ça. Et je ne participe pas à ce débat de l'enfer qui a divisé la France. On peut dire ça comme ça. Alors, je vais faire un test, juste pour voir à quel point on a un décalage sur YouTube. Je vais juste dire... je vais dire cocorde. Et quand je vais le dire, vous devriez le marquer dans le chat pour voir à quel moment vous l'entendez, d'accord? 3, 2, 1, cocorde. Juste un petit test, histoire de voir à quel point c'est décalé sur YouTube. Petit pain ou croissant? Petit pain direct. Le chocolat. Le chocolat pour la vie. Je suis gourmande pour tout ce qui est sucré. Ouais, mais en fait, ouais, j'ai qu'une minute de décalage. Une minute et quelques, je dirais. Oh bah ça va.
sinon pour vous, est-ce que pour le live ça concorde bien? Si vous avez cette référence. Cette référence au dernier live, on va dire, qui va nous servir de nom de code. J'aimerais bien que notre communauté. Enfin, que ma communauté ait ça. Alors je sais pas comment prononcer Brötchen. Je sais pas du tout, j'ai pas fait allemand. C'est petit pain en allemand, d'accord. Je suppose que t'as peut-être appris ça à l'école. J'en sais rien. Je sais absolument pas le prononcer. Minute culturelle. Ouais, tu nous apprends des choses. Je ne sais pas si je m'en souviendrai. Là, au prochain live, si tu es là, tu me poseras la question et je verrai si j'ai retenu. D'accord? Si jamais ça te tente. C'est la bonne prononciation. Mon dieu, comment j'ai fait? Après, faut y mettre un peu plus l'accent allemand, je pense. Mais si déjà je suis pas trop mal, je m'épate. Je m'épatate. Oui, ça ne se dit pas. Et alors? J'invente des mots dans ce style. Là. Je te mets. C'est pas trop mal. Et si jamais j'enlève ça, qu'est-ce que... Ouf. Oula. Je voulais voir pour ajouter des reflets là-dessus. Je vais pas le faire avec ce pinceau. Quand est-ce que c'est le prochain live? Mes lives, c'est tous les samedis, de 16h à 18h du coup. Alors, histoire de faire un petit... Au pire, est-ce que ça va marcher? Parce que des fois, ça ne marche pas. Je vais tenter quelque chose pour que ce soit plus propre. Est-ce que tu veux bien marcher, ça? Oh, ça marche. Pas mal. Bon, ça fait un peu bizarre par moment. Mais... marche. Pour de faire un beau reflet. Pas besoin. Ici, je vais ajouter. Écoute, t'as envie de petit pain. Ça y est, je vais tout le... Je t'ai marqué avec cette appellation. Pourtant, moi, ça me paraît pas bizarre, vu que j'ai toujours fait ça. Si je te dis... FJO. Est-ce que c'est une référence à Furious Jumper et Overspace? Sûrement, je pense, vu que c'est leurs initiales. Vu qu'en plus c'est grâce à Fuet Over, on va dire que j'ai gagné des vues. Enfin des. Une minute, c'est un peu long, mais bon. C'est comme ça sur YouTube. Faudra voir si plus tard je passe sur Twitch, peut-être. Mais dans ce cas-là, faudra voir si vous me suivez tous, quoi.
Parce que là, vous avez la notif sur YouTube parce que j'ai mes vidéos sur YouTube, mais. Mais vu que. Enfin, je ne suis pas une habituée de Twitch, est-ce que les gens vont me suivre sur Twitch? C'est ça que je me demande. Parce que Twitch, il n'y a vraiment presque pas de délai. Oui, c'est ça, ok. Bon, j'ai eu bon. Oui, j'ai réussi le test. Je n'ai pas failli à ma communauté. Ah, juste 2 secondes. Franchement, je vais pas faire de petite pause aujourd'hui parce que je suis dans ma lancée. Donc pour l'instant, je continue. Je bois juste un coup. Et ouais, je connais Five Nights at Freddy's. J'ai. Enfin, depuis l'année dernière, on va dire, j'ai pas mal regardé par rapport au lore de l'histoire. Après, bon, le faire, moi, je ne pense pas parce que je suis un peu trop trouillarde, je pense. Et en plus, il faudrait payer pour le jeu. Mais bon. Et tu n'as pas Twitch? Bah, en vrai, pour Twitch, si vous êtes par exemple. Enfin, même sur téléphone, normalement ça marche. Vous allez via Internet. Vous allez sur Twitch. Et genre. Ou même si par exemple vous êtes sur le Discord, vous aurez directement le lien, du coup. Qui vous emmènera sur Internet dessus, tu vois. Pas forcément besoin d'avoir l'application. Sur téléphone, je dois accorder, c'est peut-être plus pratique l'application. Mais c'est faisable sans. Mais pour l'instant, vous inquiétez pas, c'est prévu sur YouTube. Ma musique préférée. Très bonne question. J'aime beaucoup les musiques de Kingdom Hearts. C'est ma licence préférée, donc voilà. Mais sinon, je réfléchis un peu. Par contre, ce trait est très étrange. Je pense que je vais. Non, attends, c'est quoi que j'ai. Ah non, c'est ça que j'ai mis. Je suis bête. Je veux baisser le truc et c'est pas le bon que je baisse, forcément. C'est moi que ça va faire bizarre, couillonne. Titanum, qu'est-ce que t'entends par là? Et Clément, toi, t'as Twitch? Ah, il y a le contrôle parental. Ah, oui, certes, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Enfin, pour l'instant, je reste vraiment sur YouTube. Attendez, je vais juste enlever ça, le temps de faire le remplissage au-dessus pour faire l'effet vitrine qu'il y a sur les autres aussi de logo. Mais sinon, il y a une autre musique qui s'appelle. Ah, attendez, il faut que juste que je retrouve le nom. Honte à moi, je ne sais pas le nom. Enfin, je ne sais plus, enfin, je connais presque par cœur, mais. Je préfère ne pas dire de bêtises. Ça s'appelle. Holly, c'est un cover Underverse Incense que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Limite, je peux peut-être vous donner le nom. Hop, je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça, je sais pas si quelqu'un se voudrait l'écouter ou autre. On n'a pas forcément tous les mêmes goûts musicaux. Moi, j'écoute un peu de tout, je dois avouer. Mais j'ai des petits coups de cœur de temps en temps comme n'importe qui. Le film d'horreur qui m'a le plus traumatisé. J'en ai pas tant regardé que ça. Celui qui m'a le plus traumatisé. Genre je peux pas donner beaucoup de références parce que par exemple je n'ai pas regardé les typiques Chucky. Enfin bref, j'ai pas d'autres noms là sur le moment qui me viennent là comme ça, mais celui.
le plus choqué, enfin traumatisé plutôt. Franchement, je saurais pas te dire là comme ça. J'essaye en fait parce que j'avais remarqué que ça n'allait pas jusqu'au bout. Voilà. Les musiques de Kingdom Hearts sont incroyables. Oui. Je suis peut-être pas très objective, mais oui. Est-ce que tu as marqué en allemand, ça veut dire je t'adore? Ah bah merci beaucoup. C'est Tokyo Vania. Là non, c'est pas Tokyo Vania que j'ai passé. C'est notamment la musique qui me sert d'intro dans les vidéos où il y a une intro du moins. Ouais, j'aime beaucoup Undertale, je suis une très grande fan aussi de Undertale et toute la fandom avec les univers alternatifs. J'avais pensé aussi, vu que sur Gacha, c'est ce qui a beaucoup marché là depuis l'année dernière, depuis qu'il y a principalement le pangolin. Si vous étiez là au dernier live, vous pouvez indiquer aux autres ce que... Enfin, disons que pangolin, c'est un nom de code. Si... pour dire un mot qu'il faut éviter de dire sur YouTube parce que le robot YouTube est pas content dès qu'il entend ou dès qu'il lit ça. Et oui, désolé, du coup je sais vraiment pas quoi te répondre par rapport au film. J'aime beaucoup me faire des frayeurs, mais en général quand je me fais une frayeur, c'est plus avec des enquêtes paranormales qu'avec des films. Donc voilà. Gasterson's Papyrus Spaghetti. Non mais moi je dis le meilleur personnage du jeu, enfin de Undertale de base, sans les univers alternatifs pour moi. Je suis pas de la vie, c'est pas de la vie de tout le monde, mais moi du moins mon personnage préféré c'est Undyne. Dommage qu'on ait une minute d'écart sur la... Ouais, c'est dommage, c'est pour ça que j'ai parlé de Twitch. Vu que sur Twitch, il n'y a presque pas de délai, vu que c'est vraiment fait pour les lives. Après, je suis contente qu'il n'y ait qu'une minute. Une minute, c'est pas non plus... c'est pas non plus monstrueux. Si ça avait été plus, là, j'aurais été... Oh là, j'aurais été un peu dépité. Aussi celui qui est un très grand fan. Certes, c'est Bena. Oui, c'est pas faux. Oh, tu es revenu, petit démon. Ah, ça fait plaisir. Hop, j'ai comblé ça. Vous inquiétez. Hop, voilà, dans le bon sens, ce serait mieux. Je vais faire. Un petit truc comme ça aussi. Voilà. Et là, mettre en mode. Voilà. Ouais, donc comme j'aime bien appeler une sorte de film plastique par-dessus. Moku Undyne aussi. Mais tu préfères Sans ou Flo... non, pardon. Azriel Floy. Désolé, je lis un peu de loin, du coup, des fois j'ai un peu de mal. Azriel Floy, c'est vrai que leur histoire reste assez touchante, je trouve. Après, bon, il nous énerve un peu quand il essaye de nous buter. Hein. En tant que Floy, mais bon. J'avais hésité vraiment à faire des vidéos aussi
de la fandom Undertale sur Gacha. Et Coco Benjamin. Spaghetti. Ah, c'est bon les spaghettis aussi. On va juste. J'ai juste. Ah! Non, je voulais pas tout prendre, je voulais pas faire ça. Je voulais utiliser ça. Je sais pas trop ce que je fais là, mais je le fais. Pourquoi mon trait ne s'est pas fait? Il a fait non, je ne me créerai pas. Tu ne m'obliges à rien. Je suis un trait libre. Undyne ressemble à Undertale. Ouais, c'est vrai. Nout Nout, oui. Est-ce que vous connaissez le personnage de Nightmare? C'est curieuse. C'est curieux si les gens sur ma chaîne font un peu partie de de toute cette fandom Undertale. C'est assez satisfaisant de remplir de cette manière. D'ailleurs, en parlant de remplissage, je pensais faire quelque chose aussi que vous trouverez sûrement sur mon serveur Discord. Ce serait de vous proposer des coloriages à faire. Bien sûr, ce serait avec un petit prix. Pas plus de 3 euros. Mais, parce que oui, bon, le dessin c'est mon métier, donc faut bien que je gagne ma vie. C'est pour ça que je propose dans la description des liens pour me faire des dons qui apparaîtront dans le live si jamais vous en faites. Mais oui, du coup, je pensais faire ça. Nightmare de... Non, pas de... De la fandom d'Undertale. Et des univers alternatifs. Précisément, lui, il vient de Dreamtale. Désolé, je vais voir la vidéo de Fufu. Pas de soucis, Lunaire. Merci d'être passé. J'étais déjà là la dernière fois, il me semble. Ok. Merci beaucoup pour ton soutien. Juste rajouter un peu. Five Nights 4, c'est bien celui dans la chambre du gosse, dans la chambre de Chris, comme certains aiment l'appeler. Undyne, Ondine. Non mais... Non mais c'est fini, pauvre Undyne. Donc là, il faut chercher quand même pour trouver cette comparaison, non? Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre nom de notre Undyne Badass? Faut quand même le dire que c'est un monstre qui fait preuve de détermination par elle-même. Ça, disons que ce soit la chambre de Chris Afton, c'est... Donc c'est pas forcément dit officiellement. Et il est dit que ce qui est écrit dans les livres, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir lire, le créateur du moins a dit qu'en fait ce qui était dans les livres n'était pas forcément relié au jeu non plus.
Et même que ce soit Michael Afton, Elisabeth et Clara, c'est pas dit de manière canon. Disons que c'est des suppositions de la fandom. Sans commentaire. Bravo, Benjamin. Disons que dans le livre, par exemple, c'est dit que c'est William Afton dans... J'ai oublié le nom. Ah! Qui possède l'animatronique... J'oublie les noms parce que je suis concentrée sur autre chose en même temps. De Springtrap, voilà, pardon. J'ai mis du temps avant de m'en souvenir. Et je fais n'importe quoi, ça va dépasser de partout. Bon, va falloir que je le gomme après. C'est dit dans le livre ça, mais le créateur après a dit ce qui est dans le livre n'est pas forcément vrai dans le jeu. Toi, t'adores les univers alternatifs d'Undertale. Tes univers alternatifs préférés, c'est Underverse et Glitch Tale. En vrai, Underverse, c'est pas tant un univers alternatif, c'est un multiverse complet. Parce que c'est un multiverse avec plusieurs univers alternatifs dedans. Je suis renseignée, je regarde beaucoup de ça, forcément. Inard. Bah, il est un peu spécial, disons que c'est pas comme si il se mettait dans la peau de, on va dire, Michael Afton. Pour pouvoir sortir, et qu'il avait pris la voix de Circus Baby pour tromper Michael, pour pouvoir l'emmener dans la Scooping Room. Pas du tout. Je sais que dans la fandom, les gens l'ont beaucoup adouci, qu'il y a souvent le ship. Michael et de Hénard, mais ça reste assez spécial. Je ne le critique pas parce que des fois c'est mis de manière très mignonne. Mais ça reste spécial. Glitch Tale niveau émotion, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, en ce moment, Camélia Cuevas, elle fait souvent des live animations, mais. Des prochains épisodes, mais je regarde pas, j'ai pas envie de me faire spoiler. Avec Bénédicte. Ah, ce magnifique surnom. Un surnom. C'est juste le jeu qui te troll au début, quoi. Mince. J'ai pas fait le remplissage que je voulais. En vrai, je me demande est-ce que si je refais. Ça marche ou pas? Parce que des fois ça marche et des fois non. Non, ça marche pas vraiment. Je vais tout rester comme ça. Parce qu'il y a encore des zones qui sont pas complétées quand je le fais deux fois, donc. Hop. Sinon, est-ce que ce live vous plaît? Est-ce que ça vous divertit? Parce que c'est un peu le principe. Et cette fois, j'ai pas fait de pause. J'ai pas ressenti forcément le besoin pour la dernière fois. Le sort d'attaque pour enchaîner ces 2 heures. Enfin, là, ça fait déjà 1 heure et demie, mais. Exotic butt. Je sais pas ce qu'ils ont eu comme délire avec cette exotic butter à la fin pour mettre ça dans le jeu, mais bon. Mais sinon, du coup, pour ceux qui sont encore là, du coup, sur le live, est-ce que pour la prochaine fois, faire le logo de Gacha Club avec mon OC, est-ce que du coup, ça vous tente? Et je pense, peut-être, si, suivant ce que les gens vont dire là, peut-être faire un vote. Du coup,
sur ma... sur mon Discord. Pourquoi ici ça me fait un truc étrange là? Je sais pas ce que c'est. Il y a du rouge en dessous. Ah non, mais c'est le rouge qui dépasse, je suis bête. Juste mal gommé ici. Oh là là. Alors, pour Clément, c'est un oui. Je sais pas si Lipix, tu avais dit oui pour ça ou pour autre chose. J'ai pas vu à quel moment tu avais mis ton message exactement. C'est vous qui avez donné cette idée dans le chat juste avant. Petit pain. Ça y est, il y a des petits pains qui vont te hanter pendant la nuit. Et merci pour avoir donné le lien du Discord. Mais au cas où, dans la description. Si jamais le contenu de la chaîne vous plaît, ce live, si jamais vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir à partager. Je dis ça alors qu'on est. Il nous reste 35 minutes, mais c'est pas grave. Et si jamais vraiment ce que je fais sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. C'est bien pratique, même si des fois ça bug un petit peu. Des fois les notifications qui galèrent un peu. Mais vu que je suis du genre, vu que ce sont des vidéos assez longues à confectionner, vu que ce sont des mèmes, du dessin, etc. Les notifications sont assez rares, donc c'est assez important de la mettre, la cloche. Alors Clément, c'est... Attends, c'est... Clément Wolfie, c'est toi le Clément Ouhou, je crois, qu'il y a sur le Discord? Il me semble. Je peux me tromper, mais... Après, il existe beaucoup de Clément dans ce monde, mais c'est possible. Et exactement, toute interaction avec une vidéo, que ce soit like ou dislike, aide au référencement. C'est-à-dire, ma vidéo, enfin, mon contenu est plus mis en avant sur YouTube. Parce que vu que pour l'instant, je suis pas beaucoup connu, ça, disons que ça aide beaucoup. Et tout ce qui est aussi le fait de partager, que vous disiez à vos amis, hey, regarde, c'est pas trop mal ce qu'elle fait. Passe un coup, t'abonner, mettre des likes, passer sur son live. Ça pourrait bien être sympa. You're gonna have a good time on this life. Merci Benjamin. Donc c'est bien toi. Ok. Donc pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, et ben vous avez du coup dans le chat le dernier vainqueur de l'event qu'on avait fait la dernière fois. Il y a un grade du coup pour l'occasion. Là, j'attends toujours des participations pour le nouveau thème, et c'est vous qui avez voté d'ailleurs sur le Discord pour le nouveau thème. Oui, le pseudo Goldé, c'est ça, c'est la couronne, tu vois. Le pseudo, ça représente sa couronne. Au début, je n'avais pas trop d'idées pour la couleur de ce rôle, mais je me dis que
Gold, c'est pas mal. La médaille. Bon bah ça avance pas trop mal pour l'instant. Je pense que je vais avoir fini plus rapidement que le précédent. Peut-être qu'une impression, je ne sais pas. D'ailleurs, sur le Discord, la plupart avaient dit que si jamais... enfin... par rapport à quel moment le live vous arrangeait le plus. Et il y avait beaucoup d'entre vous sur le Discord qui avaient voté aussi pour le mercredi. Je voulais savoir du coup, est-ce que vous, les gens qui sont sur le live, est-ce que c'est bien aussi le fait de liver le mercredi pour vous? Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Et je vais voir si jamais je décide de faire 2 lives par semaine. Oui, c'est normal qu'il soit tout blanc pour l'instant, ce petit logo. Ne vous inquiétez pas. Yep. On va plutôt faire. Alors. On va mettre. Oui, comme ça, mais on va le mettre un peu rougeâtre. Rouge un peu plus foncé. Voilà. Et. Transparente. Voilà. Un petit reflet en plus. Je réfléchis toujours pour le dessin de l'événement. T'as déjà fait 4 croquis? Mon dieu. C'est super que tu mettes autant de temps. Autant d'efforts, on va dire, pour l'événement du CERN. C'est vraiment très gentil parce qu'il faut des gens qui participent. Au premier, il y a eu pas mal de monde qui a participé. Au second, c'était timide, on va dire. Et moi, je fais principalement ça pour vous faire plaisir, pour animer le serveur, tout ça. Mais disons que pour vous faire plaisir, il faut que vous participiez. Vous faites bien sûr ce que vous voulez, je force à rien. Pour les mercredis, pour toi, Damon, c'est pas mal. Et coucou, Diax. Comment ça va? Comme tu peux le voir, t'arrives plutôt et vers la fin, on va dire. Mais c'est pas grave, profite. Après, le mercredi, est-ce que du coup ce serait le même horaire? Ça, je sais pas. Parce que je sais que souvent dans les établissements, à part au lycée, ben, le mercredi après-midi, c'est plutôt tranquille. Toi, tu as regardé les mêmes, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais ça fait très plaisir que tu reviennes, Saria. Hop. Bon, là, pour l'instant, je regommerai après, parce que... voilà. Parce que c'est plus satisfaisant de te gommer après. Je trouve personnellement. Pour ce jamais, si jamais il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, l'application que j'utilise c'est Sketchbook. Elle est complètement gratuite. Je conseille néanmoins d'avoir une tablette graphique pour l'utiliser parce que
Sur tablette normale, je ne pense pas que ça marche très bien. Et sur PC classique avec la souris, je pense que ça risque d'être très compliqué. Et si jamais vous voulez savoir le matériel que j'utilise pour mes vidéos, il y a tout indiqué dans le à propos, dans la description de la chaîne, si jamais il y a des gens que ça intéresse. Parce que la tablette que j'utilise, qui est une Wacom Cintiq 13 HD, je la conseille vraiment, elle est vraiment très très bien. De remarquer que tu envoies beaucoup de dessins sur le serveur. Oh, c'est cool! Tu es dans ton jardin en 4G vu qu'il upload. C'est fou ça, toutes ces techniques. Moi je n'irai pas forcément trop dans mon jardin aujourd'hui. Enfin, c'est menaçant, il n'y a plus de tout à l'heure. Là ça va. Je surveille de temps en temps s'il ne pleut pas parce que sinon il va falloir que je rentre ma petite chienne, ma petite moon. Un petit, et pas si petite que ça, mais pour moi ça reste un bébé. Je suis complètement gaga. Ma voix est différente? Bah je pense que c'est normal parce que sur... Enfin, les appels Discord, ça doit modifier, je pense. Et je ferai un nouveau vote cet après-midi après le live pour enfin sur le Discord pour du coup demander quel sera le prochain logo. Dans les propositions, il y aura bien évidemment du coup le logo Gacha Club avec mon OC. Et après, je pense que je mettrai peut-être Wattpad, Twitch. Qu'est-ce que Damon avait proposé tout à l'heure? Spotify, voilà, on verra aussi ça. Et chaque Twitch et Spotify, les propositions. Il pleut chez toi? Je pense que c'est dans la majorité de la France qu'ils doivent pas faire très beau, j'ai l'impression. On a eu des jours très très chaud et ensoleillé là, et là c'est reparti. Moi qui aime bien la chaleur, c'est pas trop l'avis du PC, mais bon. Un contour blanc, j'avais pas fait pour l'autre, mais j'avais fait pour le logo Insta. Un contour blanc un peu épais. Il y a plusieurs avis dans le chat par rapport à quel logo faire. Et je pense que comme j'ai fait l'autre fois, je ferai un sondage et c'est comme ça que je choisirai. Oh là là. Et n'importe quoi. Ça paraît simple comme ça, mais... Que ce soit tout le temps la même taille environ. C'est compliqué.
surtout qu'avec ce logiciel, il n'y a pas certaines options que tu peux avoir sur les applications gratuites. Là, il fait grand soleil, bah dis donc. Je vais être jalouse, moi. Tu dois partir, Clément? À plus et merci d'être passé. Passe une bonne journée, bonne suite de journée. On est un peu entre l'après-midi et le soir, donc je ne sais pas dire si c'est bon après-midi ou bonne soirée qu'il faut te dire. Du coup, j'innove, je dis bonne suite de journée. Et je n'ai rien d'autre à dire en plus à part petit pas. Voilà. Il fait beau toute la semaine, mon Dieu. J'ai pas vu ton message, ça rien. Tu l'as supprimé. Ou qui s'est fait supprimer, mais ça m'étonnerait. Ah, les connexions. Petit pain et cocorte pour savoir un lexique. Ouais. Ça va être le lexique propre à la chaîne. Comme chez Super Brioche, je sais pas si vous connaissez, qui est mon youtubeur préféré, streamer préféré, parce que maintenant il fait principalement sur Twitch. Donc, est-ce que vous allez faire de beau pendant votre week-end? Je suis curieuse, ça peut peut-être me donner des idées. Vu que le dimanche, à part pour certaines exceptions, c'est journée de repos pour moi. À plus, Diax! Merci d'être passé, toi aussi. Revoir le soleil. Ah, le soleil s'en va. Est-ce que tu vas nous laisser un peu de ton soleil? Alors, on a, ils disent à plus, il y en a, ils disent à moins. D'accord. D'ailleurs, j'avais une petite question aussi. Si jamais un jour j'entre un petit peu dans le fandom des univers alternatifs d'Undertale, est-ce que ça vous plairait à vous ou pas du tout? Vu que j'aime beaucoup ces univers et que je connais pas mal, même si c'est un peu tard pour rentrer dans cette fandom, mais. Groupe sans garde cachez-vous. Dis-moi a besoin de son. Oh, coucou Sullivan! On t'arrive alors qu'il reste un peu plus de 15 minutes de live. Mais bienvenue, installe-toi. En vrai, ce petit live, c'est le live du goûter. Il commence à 16h. Bon, maintenant, c'est peut-être plus trop l'heure du goûter, mais. Il commence à l'heure du goûter.
Ok, univers alternatif, rien de tel, j'achète. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous connaissez vraiment, mais. Peut-être quelques petites idées, mais rien de concret pour l'instant. J'ai déjà beaucoup de choses en préparation. J'ai toujours plein d'idées en tête, donc. Ça pourrait peut-être me motiver à faire un peu plus de contenu pendant la semaine. Des mèmes, ça prend beaucoup de temps à écrire. Hop là! Les petits locaux YouTube, hein! Peut-être faire une sorte d'ombre. Attendez, j'oublie quelque chose. Yep. J'attends de voir les réponses d'un peu plus de monde. Par rapport à ce que j'ai demandé, si ça vous tentait que je fasse moi aussi des trucs en rapport aux univers alternatifs d'Ender. Le même traitement que pour Concorde, c'est-à-dire avec un visage cute. Oh, je peux tenter. Si vous voulez. C'est ça dont tu parles, du moins. Faudrait que ça fasse plus sombre, en fait. C'est ça le souci. Faudrait que je prenne. Voilà, ça bug. Peut-être le mettre en dessous déjà. Et pourquoi couleur rouge foncé comme ça? Bien sûr, vu que le remplissage bug, les contours, ça foire. Bien évidemment. Moi, rager, je ne rage jamais, voyons. Pardon. Oh, je fais nimp. Peut-être plutôt gommer ce qui n'a pas été pris en compte. Le petit visage sur YouTube. Bah, je vais faire ça après. Yep. Et donc pour la prochaine fois, je ferai du coup le sondage sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre pour participer et peut-être participer à l'event en cours ou juste venir discuter avec les autres membres du Discord. Personne ne va vous manger. Et sur, vous verrez, les règles sont assez simples. Du respect, les mentions sont autorisées. Pas en abuser non plus pour pas embêter les gens, quoi. Un salon de spam, un salon pour faire vos propres pubs, montrer un salon pour montrer vos dessins. Il y a de tout. Et même vous pouvez faire vos suggestions si jamais vous voulez avoir un salon en plus ou autre. Et je prendrai en considération votre requête. Ou les membres du staff, hein, suivant qui est disponible à ce moment-là. Là, la petite ombre sympathique. Mettre un peu plus forte, quoi. Voilà. Je sauvegarde parce qu'on sait jamais. Je vais peut-être aussi signer. Ce serait une bonne idée, non? Pour éviter de me le faire voler, quoi. Hein?
serait con quand même. Là, pour pas que je me dépasse. Par contre, faire un visage, ouais, oui, ça y est, attends. Je sais. Reconnecte-toi. Un salon spam qui est très bien utilisé. Exact. C'est un oiseau. On dirait qu'il a un bec. On dirait qu'il a un bec, mon dieu. On va lui faire des yeux bleus. Je fais ça vite fait, hein. C'est plus canard que bleu, là, mais... Ton piqueur. Mon dieu. En même temps, oui, ton piqueur, il a les yeux en bâton, enfin... Oui, oui, c'est normal. Mais attention, ce n'est pas le topiqueur d'Halo là. Il est plus beau. Non, je ne fais pas de discrimination de topiqueur. J'expose juste les faits. Ah, je voulais pas faire ça. J'ai utilisé un raccourci. Je ne voulais pas. Je ne suis pas responsable pour ça, c'est votre idée. Hop, on va faire une petite ombre. Bref, appelez ça comme vous voulez. Petit changement de couleur dans l'œil. Bon, c'est des trucs vite fait, juste histoire de rigoler. Hein. Et peut-être, du coup, je ferai comme avec Cocord. Je mettrai en emote sur le serve. Et merci à toutes les personnes qui sont restées durant tout le live, s'il y en a. Ou même celles qui viennent d'arriver ou autres. C'est vraiment plaisir. Quand tu commences comme ça les lives et que t'as autant de gens. Et bonjour! T'as vu? YouTube, il est magnifique. On pourrait même faire en sorte qu'il ait une sorte de... petite langue qui sort du bec, c'est en mode pourquoi ça fait pas réaliste. Et alors? Oui, je m'emporte toute seule. Et alors? Ça.
m'amuse. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, je m'amuse. En emote pour les lives? Ouais, par contre, pour les emotes YouTube, je peux pas encore avoir ça. Si je dis pas de bêtises, il faut que je... Comment dire? Pour avoir des personnalisés, normalement... normalement, il faudrait que... Je sais pas si ça arrive au même moment que la monétisation à partir des 1000 abos, mais pour l'instant, c'est pas possible. Je regarderai, hein, mais il me semble. Sur Discord, dans les annonces. Ah oui. Ah, dans les annonces de live, par contre, faut voir si j'arrive à le mettre. Parce que vu que c'est avec un bot, déjà que le bot il fait n'importe quoi avec le everyone, je ne sais pas pourquoi, mais il s'obstine à mettre deux arrobases, du coup ça ne marche, enfin le everyone ne marche pas. Il a un œil plus grand que l'autre, mais c'est pas grave, personne ne le verra. Et merci d'être passé, Thibaut Serpentard, et à plus. Mais il est beau ce tutube, n'est-ce pas? Ouais, ça va. Dans 5 minutes, on arrête le live du coup. Je vais pouvoir faire enregistrer un peu plus souple. Je vais l'enregistrer en. Non! Si j'ai mis bon, mais c'est bon. J'avais appuyé à côté. Je vais mettre. Je l'ai mis en 1. Pas du... Là. Ouais non. Pour l'instant celui-là je vais l'enlever. Attendez, je fais ça avec vous. Superbe ce tutu. Mais oui, mais oui, mais vraiment. Enregistrer YouTube comme ça. Yop. Ça c'est YouTube du coup. Et la version normale. Comme ça. Oh. Avec le 1. Yep. Et l'enregistrer ensuite avec le fond. Voilà, comme ça j'ai tout. Hop, bon du coup, je vous donnerai du coup rendez-vous sur le Discord afin de pouvoir faire le vote, le sondage pour savoir quel sera le prochain logo qu'on va faire ensemble. Comme ça, ce sera fixé, ce sera déjà préparé. On n'aura plus qu'à le faire ensemble. Beaucoup de gens avaient l'air assez assez hypés par le pour faire le logo de Gacha Club avec mon OC.
Je pense que ça peut être marrant, mais comme je vous ai dit, je préparerai avant. Je préparerai avant pour être sûr et parce que ça va prendre du temps en fait. Et merci pour avoir passé le lien encore une fois. Et toutes les autres fois où tu l'as fait, du coup. Et du coup, après. Ouais, je verrai. Si pour des prochains lives, peut-être que je verrai pour faire un emploi du temps dans le sens. Mercredi, ce serait un live où. Soit on fait par exemple du gacha, soit un. Des dessins en rapport avec Gacha et après le samedi les logos pour l'instant donc il y en a quand même encore pas mal à faire je vous tiens au courant à propos de ça je vous tiens au courant principalement du coup sur le Discord. Bon voilà, je pense que du coup on va pouvoir se laisser. Je vais vous laisser avec mon outro. Le jeu c'est quoi? Quel jeu? Saria. J'attends d'avoir ta réponse. Ça peut être pas mal comme ça. Ok, bah je verrai, je vais voir ce que je décide de faire. Oui, je ne sais pas quel jeu, de quel jeu elle parle. L'application? Laquelle? L'application avec laquelle je dessine? Ou l'application avec laquelle je dessine, c'est Sketchbook, si c'est ça que tu demandes. Après, je ne sais pas de quoi tu veux parler, ou bien. Bien, tu parles de Discord? Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles, désolé. Oui, pourquoi? Parce que tu dis oui, mais du coup, je ne sais pas de à quoi tu dis oui exactement. Si tu disais oui à Monsieur Biscuit, Discord c'est une application qui sert à discuter, qui est de base fait pour les gamers. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, et dessus du coup j'ai créé mon propre serveur. Chacun peut créer le sien en gros, même plusieurs. Permet de discuter ensemble, de faire des. Par exemple, moi je m'en sers pour faire des sondages, avoir les. Il y a les annonces concernant la chaîne, concernant le Discord aussi.
Je ne sais pas si c'est exactement de ça dont tu parlais, du coup. Bah, du coup, je vais vous laisser. Oui, c'est gratuit, oui, c'est complètement gratuit. Tu peux l'avoir soit sur l'appli, soit directement navigateur internet. Bref, du coup, je vais vous laisser avec l'outro, en espérant que cette fois vous aurez le son, hein? Et on se retrouve pour la prochaine fois, pour le prochain live samedi prochain. Et voilà. Bye bye. Merci à tous d'avoir été là.